Eh bien bonsoir tout le monde. Pourquoi je répète tout le monde, je ne sais pas, mais je l'ai fait. On se retrouve ce soir sur Céleste, hein. Bien sûr sur Céleste, le jeu que tout le monde adore, avec le niveau de la lune, qui va certainement encore me bousiller le cerveau. On n'est pas lundi, mais ce sera comme un lundi, hein, en vrai. Même si je suis moins fatigué, c'est vrai. Faut pas se mentir. J'ai eu de quoi me reposer pendant ces 3 jours de congé. Hop. Et du coup, on est parti. C'est parti pour la lune. On en était arrivé là. Après avoir bien galéré, avec une musique magnifique. On n'a qu'un seul saut, c'est vrai. Alors je ne sais pas du tout où il faut aller, je me suis pas du tout renseigné, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait depuis jeudi. Donc ça va être un bordel sans nom pour reprendre tous les bons réflexes. Pourquoi il y a ça? Non. Faut que... Ah oui merde, le chat, j'ai pas le chat. Coucou la Wena! Eh ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas lancé un live. Mais voilà, faut continuer. Il faut que je termine ce jeu, si j'ai envie de passer à autre chose. Même si je sais pas comment... Voilà, ça vient juste de commencer et... Je m'en doutais que ça allait être une torture de jouer. Il va mieux ton chat? Merde. Il faut le faire exploser pour moi. Une. Non, trop tard. Ah, tant mieux. Pas cool quand les animaux de compagnie vont pas bien. Ça casse le moral, hein. Ok, c'est bien ça qu'il faut faire. Oh putain! Quelle strat de connard! Ah! En plus avec une super musique. Mais c'est pas grave, la musique elle est bien en fond donc ça me dérange pas de mourir. Ah presque! Ah, trop tard. Oh là là. Putain. J'ai plus le timing. Là. J'ai pas été assez loin. Et ta journée, ça a été? Putain. Non. Je fais de la merde. Ouais. Ah non mais ça même pour moi qui travaille, tu vois, je trouve ça hyper chiant et hyper long. Et c'est horrible. Merde putain. En vrai l'école ça me dérange pas mais bon, je sais que ça va être chiant. C'est chiant d'être tout le temps chez soi.
L'ennui n'est pas totalement là, hein. Parce que voilà, quoi, j'ai des trucs à réaliser et tout. Mais... Pour combien de temps, c'est ça? Ah non. J'avais dash, j'avais pas besoin. Alors, on va éviter de se ressusciter comme on a fait juste avant. Des jumelles. Parachute. Il faudra certainement sauter, dasher. Ouais! Donc, tac, tac. Hop, tac. Ouais, bon, on va essayer ça. Allez, les blocs tombent. Il fallait que je dash. Enfin, peut-être pas. Ça, c'est vraiment con comme mort. Allez, je rebondis sur le mur. Non, ça passe pas. Plus ça me saoule là chez moi, il y a un problème des os. Impossible de me laver les cheveux aujourd'hui, c'est horrible. J'espère que ça sera réglé demain. Mais ça, j'y crois très moyen. Non! Putain de parachute de merde. Je sais pas quand le lâcher. Trop tôt. Alors c'était bien ça, nous il faut s'accrocher au mur. Et le reste je ne sais pas. Mais non! Ouais, si, je suis obligé. Et après, avec réflexion, les cours à distance, voilà quoi, c'est chiant quand même. Bon, l'avantage, c'est que les DS, on les fait tous ensemble. Donc techniquement, on peut... Si on est solidaire, on peut tous s'en sortir. Mais la fois dernière, on a eu un contrôle en maths. Bon, c'est moi qui ai tout fait, mais... Oh non! C'est moi qui ai tout fait, mais voilà, quand on s'est entraîné, donc... Pour les autres DS, je pense que ça sera la même chose. Faut savoir s'entraider, là c'est obligé. Ok. Faut s'accrocher. Et... Doucement, parce qu'on restera pas longtemps dessus. Bah, il nous donne le contrôle sur sur un espace commun. Et ensuite, on le récupère et on a un certain temps. Là, le truc totalement troll. Hein. On a un contrôle TP. Donc un contrôle TP, tu vois c'est quoi? Où on a de demain, ouais, du 15 au 24 avril pour le faire. Un contrôle TP sur une durée de 2 semaines. Une blague. Donc ça promet.
Putain. Ouais, non, j'arrive pas avec les flèches directionnelles pour le moment. Non. Trop tôt. Non. Comme un contrôleur, tu peux tricher tout ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est totalement idiot. Pour faire ça, autant pas mettre de contrôle, quoi. Y'a aucun intérêt. Trop tard. Trop tôt. Faut que je tienne plus longtemps. Ah putain. Faut que je me bats contre moi-même pour pas être pressé. Eh bien sûr. Mais c'est comme, je sais pas si t'as vu pour les bacs et les brevets, mais je pense que ouais, mais c'est pareil, il les donne au contrôle continu. Et c'est totalement débile, parce que le gamin qui est en difficulté et qui commence à se rattraper, bah voilà, il est mort. Et je suis sûr qu'il y en a. Parfait, c'est bon. Bon, pour l'instant, c'est pas trop compliqué, c'est juste un peu de technique. Sauter, mur. Voilà. Donc là, normalement, on a un seul dash. Ok. Deux dash. Tac, tac, tac. On est là. Ok. Putain, c'est chaud. Alors, oui, bonjour. Non, mais non. Oh, le truc de bâtard. C'est comme la fois dernière. Faut s'accrocher, attendre que ça... Attendre que ça descende. Oh. C'est trop dur. Ok. Ah non, mais pas comme ça. J'ai vu une parodie l'autre jour d'un entretien d'embauche où le gars devait dire qu'il a eu son bac en deux mains et du coup... Ah bah c'est ça, ça vaut... Il y aura aucune valeur. C'est horrible pour eux. T'imagines? C'est horrible. Et c'est ce que je suis en train de me dire bah pour... J'ai encore quelques amis qui sont en DUT. Et c'est pareil pour eux. Ils vont... Ok, ils seront en DUT. Mais... Comment dire? Pourquoi notre temps il est comme ça? C'est pas grave. Ils vont être en DUT, ils vont pas faire leur stage, ils ont aucune expérience professionnelle, ils sont niqués. Putain. Les BTS c'est pareil, ils ont un examen à la fin de l'année. Bon, eux, au moins, l'avantage, c'est qu'ils ont eu de l'expérience en première année. En général, normalement. Si je dis pas de bataze. Est-ce qu'on peut faire à part... On peut rien faire. Bah, ouais. Bon, le niveau, il est chaud aussi, hein.
Ceci, il va falloir mettre. Elles ont vécu au Covid-19, mais c'est ça. Et ça sera le seul truc qui passera. Pourquoi on passe pas? Je dois pas avoir la bonne technique. Oh. Ouais, ça marche pas. Merde. Non, faut que je sois beaucoup plus réactif. Ouais, c'est ça, faut que je sois beaucoup plus réactif. Merde. Mais non, en diagonale. Non! C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible ce qu'ils nous demandent. Fallait rebondir. Ok. Et toi, t'as eu des nouvelles par rapport à ton chômage partiel? Chômage partiel? Ou rien du tout? Toujours un peu dans le brouillard. Hein. Mais non. Voilà, faut pas que je joue avec les flèches directionnelles. Ah non, trop haut des pics. Faut que je fasse demande du chômage, mais j'ai pas de nouvelles pour avoir mes papiers belges. Du coup, oh putain, c'est chaud. Et ton copain, y a quand même de l'argent lui ou pas? Parce que s'il y a aucun revenu, c'est compliqué. Hein. Enfin, y a pas mal de monde qui sont dans ce cas. Hein. Mais non. Lui là. Ah d'accord. Presque. Nam banana. Ça me rappelle qu'il faut que je fasse mes VOD, moi. Qu'il y en a qui commencent à disparaître. Ouais non, j'arrive pas avec les flèches. Donc tant pis, on va faire plus d'essais pour réussir à aller dans la bonne direction, mais...
On le fera avec le joystick. Ok. On va pas essayer, on va s'en foutre un petit peu du deuxième rebondisseur. Je sais pas si aujourd'hui ça sera un petit live, mais à forte chance. Je sais pas si on fera un checkpoint ou deux, mais... Il y a de fortes chances qu'on fasse que un checkpoint. Je vais reprendre doucement les lives. Parce que j'ai trop beaucoup joué ce week-end. J'ai beaucoup trop joué ce week-end et... J'ai un peu les yeux dans le caca. Mais j'avais vraiment envie de jouer à Céleste. Après voilà quoi, faut le faire le checkpoint. Eh ouais, que veux-tu? Mais c'est pas de ma faute hein. Moi on me demande de jouer, je réponds présent quoi. Ouais non c'est juste à rien, oui c'est à cause de ça. Le jeu est sacrément long. Et donc voilà quoi, ça prend masse de temps. Et on va dire, en plus là on a joué beaucoup. Et on doit faire, on a dû faire un tiers du jeu quoi. En 24 heures quoi. 24 heures de jeu, on a fait un tiers du jeu. Il est très 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 long. Et un tiers du jeu, je suis gentil peut-être. Mais non, mais... Ah, ça m'énerve. C'est des simples dash. En fait faut arriver vite en haut. Et pas attendre comme un clodo. Enfin comme un con. Ok. Faut faire un truc du genre. Je suis vraiment débile. Non! Après voilà, c'est Céleste, hein, faut tenter. Hein. Enfin, c'est surtout la lune. Avant, les chemins, ils étaient vraiment... Ils étaient quasiment tracés. Quelques petits secrets par-ci, par-là. Là, c'est... Débrouille-toi, comprends par toi-même, teste, et après tu trouveras. Mais une fois que t'as trouvé, en général... C'est pas trop compliqué, en général. Tiens, on va utiliser vite fait les lunettes. Donc on a fait ça. Donc il faut rebondir sur le truc là. On arrive en face. On dash, on va sur le petit truc. On rebondit, on a la pastille. Et quand le truc là est assez descendu, il faut rebondir dessus pour prendre la pastille en face, remonter et après le tour est joué. Faut juste faire... Non! Avec un peu plus de dextérité et de puissance, je pense qu'on peut le faire. Pas dans les pics, pas dans les pics, c'est pas bon les pics. Faut le faire en diagonale et pas horizontale. C'est comme ça qu'on s'envole assez haut. Hey, salut Fighters, comment ça va?
En plus de Terraria, en ce moment, je fais aussi beaucoup de dessins. Parce que depuis que j'ai le truc pastel, je m'amuse, hein. Bientôt, vous verrez un petit dessin d'un Yoshi fait en pastel. J'en suis un peu fier. Ça va bien, ça va bien. Non. Presque. Pastel, aquarelle. Ah, c'était sûr. Je me suis dit. Vous êtes tous devenus artistes. Ah, mais moi, le fait que Kine et Dark ont dessiné. Ça m'a boosté, hein. Mais vraiment, un truc de malade, ça m'a boosté. Un truc de dingue. Mais bon. Dark commence à arrêter. Kine aussi. Alors qu'ils devraient pas arrêter. Ils sont trop forts. Ils sont même à... Je dirais qu'ils sont... Ils sont même niveau que moi. Hein. Même plus forts par moment. Ça dépend du type de dessin. Mais ils sont plus forts que moi. Surtout Dark. En une heure, le mec, il te fait un dessin. Et merde. C'est méchant, mais j'ai envie de dire joystick de merde, encore une fois, parce que... Si je maîtrisais la croix directionnelle, j'aurais pas ce problème. Mais j'ai été débile. J'ai commencé avec le joystick. Après, je m'en sors pas mal, hein. Mais bon. À mon avis, ça serait mieux avec la croix directionnelle. Le D-pad. Avec les flèches. Sachant que tu peux te déplacer dans le sens que tu veux, y a aucun problème, quoi. Merde. Enfin, dans le sens que tu veux. T'es plus précis, le joystick, c'est... Un peu plus complexe, parce que... On met le joystick un petit peu trop... Bah, ça se trouve, elle va monter, alors que tu voulais... juste aller en diagonale. Tu le mets un petit peu trop bas, elle va peut-être aller à droite, alors que tu voulais aller en haut en diagonale. C'est... Voilà, comme ça. Je sais très bien qu'il faut aller en haut. En fait, je me dis que si Céleste se jouait avec l'esprit, ça serait beaucoup plus simple. Après, il n'y aurait plus d'intérêt. Mais non, pas assez vite. Ouais, voilà, c'est ça le problème du joystick. Et tu vois, ça, c'est pas la première fois que je le fais, hein. Limite, je dois me concentrer sur le joystick. Pas assez proche. Oh non, c'est raté. Mais c'est un truc de dingue, hein. Panalam, panalam. Merde. En fait, c'est cette mort-là qui me fait le plus mal. Celle où je vais, en fait, où c'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Mais non, ça, en plus je m'en rends compte que je suis trop lent. Voilà, ça m'énerve. Non! C'était... Ils l'ont pas dit! Bon, ils avaient pas le dire non plus, mais voilà quoi. Cette fois, j'étais content.
C'est bon. Haha, genre, je fais ah, mais c'était pas du tout secret, ça se voyait. Donc, dash, on arrive sur ce truc-là, on tombe. Faut redasher vers le... On lâche, on dash vers le haut. Ça, on arrive à ce niveau-là. Ça fait 2 jours que j'ai pas mis... Oh putain, ah ouais, quand même. Trop. Mais genre, c'est parce que t'as plus l'envie de jouer? Ah. Presque. Plus doux. Oh, non, je l'ai touché. Hier, j'ai... Ouais, non, mais après, ouais, je comprends. Hier, ça se comprend. Jeu de merde. C'est comme Dark, il se fait chier aussi. Y'a personne avec qui jouer, y'a pas en... y a lancé plusieurs jeux aujourd'hui. Il savait pas quoi faire. Après, c'est peut-être parce qu'il y a l'esprit aussi coupé par Terraria, hein, mais. Mais bon. Et même moi, là, franchement, j'aurais pas Terraria. Je pense que je me materai des séries et puis c'est tout. Non ! Surtout des séries, j'en ai à foison à regarder, donc moi ça me dérange pas. Oh, ok. Plus de précision. Pas comme ça. Ouais, mais les séries, c'est pareil. Ouais, oui, mais oui, je m'en doute, hein. Comme tout quoi. Alors, on lâche le parachute sur ça, nous on doit redasher vers le haut. Pareil là. Mais là on a un truc pour récupérer un dash. Ah, parce qu'à mon avis la plateforme tombe si on s'accroche. Ok. Ah. Non. Il s'est coincé entre les deux trucs. Ah, après, heureusement que le super streamer que je suis fait des lives. Hein, pour divertir les gens. Et me voir qu'on en boucle. J'en ai marre. Non. Même lui, il veut plus de moi.
Après, est-ce que c'est cool de voir quelqu'un mourir en boucle sur quelque chose qui paraît simple? Après, est-ce que Céleste est simple? Ça, c'est vraiment une question. Non, on l'avait! Mais grave, j'attends. Ah ouais, vraiment? Mais y'en aura pas le soir. Le soir, c'est réservé à Taria encore. Putain, il me fait troll par le petit parapluie. Mais dès que j'ai terminé Céleste, ou même peut-être entre temps, parce que voilà quoi. Putain. Je sais plus, j'ai quoi comme autre live en fait en cours. On avait Céleste. Après Final Fantasy, voilà, c'est autre chose. Sur Final Fantasy, je crois que mon abonnement il va bientôt s'arrêter, donc putain. Sinon, je vois pas ce que j'avais d'autre en cours. Oui, non, mais c'est pour ça, il y a Spyro qui doit être fait, hein. Faut que je prenne mon téléphone parce que je ne sais plus il y a quoi comme autre live que j'étais en train de faire. Bon, les lives VR, oubliez. Hein. Que là, mettre en place, c'est trop chaud. Ah, Pokémon. Il y a Pokémon qui est en cours. Mais ouais. Dès que Céleste est terminé, voire même peut-être avant, on passera sur ça. Mais Pokémon, faut que je l'avance à fond, hein. Je suis trop en retard. Hein. Dark, il arrête pas d'y jouer, il me dit qu'il est long et... J'y suis pas du tout encore. Faudrait peut-être que je refasse un petit live Animal Crossing, un de ces quatre. Que je vous montre l'évolution de ma super ville. L'évolution du royaume. Mais c'est simple, laisse-moi faire. Mais non. Mais non. C'est bon. Faudrait que je vienne te visiter la prochaine fois. Il a pas rebondi contre le mur. Juste savoir, est-ce que après ça c'est terminé? Oui, après ça c'est terminé. Putain, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait quasiment terminé. Mais non, mais pourquoi je me jette dedans moi? Il fallait que je fasse. Faut que d'abord je m'accroche au mur. Non! J'ai lâché direct. J'ai pris peur. Au secours. C'est quoi la précision pour jeter ce putain de parachute? Toi aussi, c'est la fin qui est frustrante. En vrai, sans ce petit truc de merde, ce mur-là, c'est irré. Hein. Mais j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait pas passer.
Faut se faire confiance. J'ai pas fait confiance. Voilà, un petit peu trop confiance en moi. Non! Je l'ai pas attendu! Ça fait chier. Putain, mais j'ai fait un gauche-droite! Faut que j'arrête ça! Non. Et je l'annonce, après ce niveau-là, il n'y aura plus de live céleste. J'essaierai peut-être de le speedrun, mais... Encore une fois, c'est un truc qui va demander du temps, et donc je sais pas si j'aurai... Au final, le temps d'investir. Enfin, si j'aurai du temps à investir, mais peut-être, hein, peut-être. Parce qu'en vrai, ça me tente de le speedrun, ce jeu. Il est bien complexe, je l'adore. Les musiques donnent envie d'y jouer. Ok, on peut le faire rebondir contre le mur. Putain, pas besoin de faire un gauche-droite. Aussi. Mais enfin, pour mon cas, c'est pas vraiment le cas parce que... Si je joue non... Mais je gagnerai pas plus d'argent. Enfin, sauf si je deviens expert en dessin. Je deviens artiste, je fais des commissions. Mais ça arrivera pas. J'ai juste à lâcher le parachute. Hop là. J'étais trop haut, il fallait que je descende entre temps. Ok. Je commence à comprendre. Hop. J'aurais dû m'en douter que ce petit pic allait m'avoir. Dommage. Sinon, vous mangez quoi de bon ce soir, les gens? Parlons repas, vu que... Avec ce confinement, on peut plus parler de rien. Non! Putain, je suis niqué. Ah! Bah voilà. En même temps, c'est l'heure de parler de bouffe, quoi. C'était l'heure, c'était le moment. Comme oublié de partir avec mon item. C'est bon, on a sauvé une vie. Non. Bon, on va aller mieux mourir. Poulet sauce moutarde avec des pâtes. Ça donne envie. Sauf la moutarde. Mais ça donne envie. Faut pas que je me faille ici en fait.
Oui, on l'a fait! Ok. Non. C'est des petits bâtards. Perdu. En gros, la technique, il faut envoyer le petit truc. Hop. Ok. Comment faire? Non! Ok. Oh là 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 là. Petit avocat en entrée, putain. T'as de la chance de savoir ce que tu manges. Moi, je sais même pas ce que je mange avec ce problème des os. Normalement, c'était des pâtes. Non. Mais bah, comme il n'y a plus d'eau, mystère et boule de gomme. Mais c'est vrai qu'un petit avocat, ça donne envie. Bah si, il y a de l'eau, mais voilà quoi. En gros, hop. Mon père a pété une canalisation. Et du coup, il y a que l'entrée d'eau qui est à l'entrée de la maison qui marche. C'est-à-dire qu'on doit tirer et tout pour vider les toilettes. Pour faire la vaisselle, c'est pareil. C'est la grosse merde depuis aujourd'hui. Merde. Résultat, j'ai pas pu me laver les cheveux aujourd'hui, c'est la grosse merde. Ouais. Et on serait hors confinement, tu vois, il y aurait même pas de problème à se poser sur quant à la présence de techniciens ou quoi, tu vois, il y en a forcément, voilà quoi. Mais là, rien. Rien du tout. What? Eh ouais, bah très très con même. C'est ça. Ok, on doit faire ça. Ok.
Ok, plus rapide. Merde, non, pas ça. Après, voilà quoi. Ah, trop tard. Non. Presque. Mais non. Attendez. Une, deux, trois, trois secondes. Ok. Une, deux. Faut que j'y vais entre deux et trois. Une, deux. Maintenant. Oui, c'est bon, ça passe. Mais j'espère vraiment que ça va être vite réglé. Faut le pousser au même moment. Trop tard. Mais c'est faisable, c'est faisable. Hey! Je suis déterminé aujourd'hui. Plus que d'habitude. Non! Bah, je suis déterminé. Je bloque moins. En vrai, je pense que ça peut peut-être passer. Ouais, non, ça passe pas. Ah! Juste attendre un peu et faire un truc vers le haut. Oh. Je dis attendre un petit peu. Pourquoi je fais une putain de diagonale? En plus, je regarde ma manette et je vois bien que je fais une diagonale. Une putain de diagonale, alors je veux faire un saut vertical. Salut! Non, 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 j'ai pas rejoué depuis Lustrode. J'entends plus. Y'a la honte et le poulet qui font du bruit. Ah, la hotte, putain! La honte, j'étais en train de me dire, mais pourquoi la honte? Comment tu vas? Ouais, la fois dernière, j'ai fait les deux premiers checkpoints et après j'ai arrêté. Donc là, ça a fait depuis jeudi, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas rejoué. Pour ça que je pense que les lives à venir. Non, 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 j'en avais pas marre, c'est juste que c'était le week-end et j'ai joué beaucoup avec des potes. Ce qui m'a pris beaucoup de temps. Jamais j'ai marre de Céleste, moi. Il est trop bien, Si j'avais plus de temps, genre si je bosserais pas la semaine, ce qui risque d'arriver la semaine prochaine, je pense que je ferais plus de live sur Céleste. Si je l'ai pas terminé, quoi. Mais là, je fais un petit peu de live. Parce que je suis un peu claqué. Pour ça que je tenais à faire le live. Mais putain, lâche pas le truc. Je comptais le faire live aujourd'hui. C'est pas possible. On est parti sur... Non, 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 pas 40 minutes. Aujourd'hui, non, ça va, j'étais assez rapide. Parce que aujourd'hui j'ai retenu les bons
Les bons réflexes à avoir. Et j'ai compris la mécanique du parachute, qui est hyper important. Je travaille en informatique pour l'université de Lille. Non! Putain. Salut, salut Théa! Comment tu vas? Non, putain. C'est bon. Ça ne va absolument pas. T'es un peu comme un voisin en fait. Pourquoi, Lustrade? Merde. Et pourquoi ça va pas, Théa? Ah, d'accord. Donc ouais, on est voisins même vu la distance. Non! Oh putain, j'avais fini. Je fais des back, j'avais des backups sur mon bot, sur mon PC, mais les backups, mais pas de backup sur mon. Ah merde! Et il s'est passé quoi? Pour que t'aies besoin des backups? Putain, j'avais juste à utiliser le dash! Ah, ok. D'accord. Oui, j'ai vu le premier. C'est chaud quand même. Pour choper ça. Mais non, mais quel con. Et donc t'as perdu tout ce que t'avais? Non, non. Oh putain. C'est bon, ça passe. C'est chaud quand même. À la précipitation. Mais non. Merci, Lustrade. D'accord. Faut faire rebondir le truc. Oh putain. Mais non. Mais c'est full random. Aïe. On va beaucoup trop vite. On va beaucoup trop vite.
En gros, c'est, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un virus qui te demande de l'argent pour récupérer tes données. Tout est crypté et tu peux plus rien utiliser. Ouais, l'enchaînement a l'air hyper complexe. Je crois qu'il faut tenir un petit coup dans les airs. Ah, ça peut aussi supprimer. Oh putain. C'est chaud. Ah, il a juste supprimé. Oh putain. Oh, ça fout le seum. Surtout qu'il était bien ton site. Et t'as pas des captures d'écran et tout que tu pourrais reprendre pour l'interface de ton site? Même si je sais que ça change pas grand-chose, hein, mais bon, que t'es déjà un petit aperçu de ton site, quoi. Oh, c'est affolant. Par contre, rien à voir, mais il y a un décalage son-image. Avec la caméra, c'est normal. Il y en a toujours eu un léger. Ouais, il y a un petit léger décalage, mais ça dépend de l'envoi de la caméra. Ah, bah, je m'en doute, hein. Le backend, c'est toujours ce qui est le plus chiant à faire. Le front-end, tu t'en fous un peu. Tu peux même prendre un truc fait bootstrap, mais le back-end, c'est le back-end. Allez. On avait presque réussi. Non. Boum boum boum. J'adore quand il y a des termes techniques que tu dis que je comprends. Ah. Le back-end, Lustrot, c'est tout ce qui est en gros fonction qui va traiter les données pour l'affichage. Et le front-end, c'est l'affichage. Ah merde! De mon côté, il n'y a pas de décalage. Je vais juste mettre Céleste. Plein écran, non. Juste voir ce que ça donne au niveau son et image. Alors attendez 2 secondes. Oh merde, vous avez aussi le réglage. Vous avez tous ce décalage, vous aussi? Parce que moi, au niveau Streamlabs, je vois pas de décalage, c'est pour ça. Ah, c'est chelou. Je vais essayer de redémarrer le jeu, du coup. Ça va peut-être régler le problème. Ah ouais, mais je peux même pas. Est-ce que le chrono pour moi il est ok? C'est
C'est chelou. Ah oui, c'est vrai. Merci, Taya. Je vais essayer de le relancer. Enfin, on va me dire s'il y a encore le décalage du coup. Même juste là, ici. Hein. Sinon, je pourrais rien faire. Pour ça que j'ai été en jeu. Ouais, non, je pourrais rien faire, mais c'est chelou quand même. Salut Falcane! Toi, c'est pas un petit de ton côté? Je vais voir de mon côté et de comment il y a décalage. Ah, c'est chiant. Après, c'est pas grave parce qu'en soi, c'est un petit live, mais bon. Attendez. Hein. Ah ouais, c'est sacrément décalé. Ouais, non, 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 c'est pas un problème de fibre ou quoi. Et c'est pas non plus un problème avec le Shadow. J'essaie de capturer. Attendez, c'est le son qui est en retard. Pourquoi le son pourrait être en retard? Ouais, mais sur Streamlabs, t'as les informations s'il y a des problèmes de ce genre. Et Streamlabs, y a aucun problème là. J'ai déjà eu des problèmes de ce genre à l'époque. Et il y avait des informations sur Streamlabs. J'ai essayé de couper, remettre le son. Hop. Le son qui est fatigué, c'est ça. Et peut-être comme ça. Parce que j'ai activé un truc la fois dernière. C'est peut-être ça qui a cassé le tout. Petit dash. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être réglé. Ouais, non, non, c'est moi qui avais activé une option. Enfin, c'est réglé, j'ai l'impression, hein, de mon côté, ça a l'air d'être réglé. Dites-moi si ça va mieux pour vous. Pas exprès de mourir, hein, bien sûr. Ok, ça marche. Bon appétit, Lustrade. Oh, super, nice.
Ah bah désolé. Putain. Bon, dommage que j'ai été prévenu qu'à la fin. Et en plus, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début, là mon but c'est vraiment d'aller... d'aller jusqu'au prochain checkpoint, c'est vraiment... De base c'était un petit live. Mais bon, ça dépendra du prochain checkpoint quoi. Faut que je réussisse à trouver comment caler le poisson. Certainement pas comme ça, il doit rebondir plus. Il doit rebondir plus, mais comment faire? Aïe. Ah non, après, non, tant pis. Attendez, je vais juste prendre un morceau de papier. Ouais, je vais le mettre là-dessus. Je ferai du montage pour la VOD de ce truc. Comme ça, je réglerai le problème entre image et son. Même si... Ah non, ça va être compliqué, en fait. Parce que le son de ma voix était OK. Ha! Même pas. J'utilise tous les deux l'eurodatage. Et je sais pas du tout c'est quoi l'eurodatage. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis à 88 de ping, yes. Ouais non, c'est pas jouable. Pourquoi je suis monté d'un coup? Quoi par moment? Faut s'écouter et pas lancer de live. Par contre, chat 2, c'est des arnaqueurs. Je tiens à le dire. Putain, mais je peux pas dash! C'est chiant! Ok, bon appétit à toi, Falcane. Je vais niquer la personne qui t'est cherché, moi, je te jure. Mais je peux plus sauter! Pourquoi ils utilisent autant aussi, putain? Ouais, non, ça change rien. Il y a un petit décalage. Bon, dans tous les cas, je serais mort quand même. Mais pas là. Bon, tant pis. Hein. Ouais, non, ça va pas être faisable. Faut que je prévoie, mais... Si je prévois trop tôt, ça passera pas quoi. Ah. Je sais pas du tout comment faire en sorte que ce poisson... se place là où j'ai envie. Ah mais attendez, je sais c'est qui le con qui télécharge. C'est moi qui avais laissé l'application en fond. Alors que je suis en wifi.
Deux, c'est pas suffisant. C'est pas une question suffisante à mon avis. C'est une question de hauteur. Non, c'est pas une question de hauteur. Putain, mais... Il va faire câbler ce poisson. Un saut de trop. Et j'ai pas de... Mais putain, mais quel connard! Pas possible, hein. Putain. Il y avait personne, je réussissais tout, et là il commence à avoir du monde et je rate. Vous me mettez la pression. C'est pas de ma faute. Oui, Taya, bah bien sûr, je le savais. Hein. J'avais oublié. Putain. Ok, et là il fallait dash pour récupérer. Oh putain. Mais c'est un truc de... Quelle bande de connards. Ah non! J'ai dashé aussi vite. Non mais j'avais zappé. Mais par contre c'est pas faux. Ce que j'ai dit juste avant, quand il y avait personne au tout début, quand il y avait que Lawena et moi, tout se passait bien. Après c'était des trucs assez simples en même temps. Mais non, mais non. J'ai dit je voulais pas jouer beaucoup à Céleste parce que j'étais fatigué. Mais est-ce que je jouais à Céleste en étant fatigué, c'est une bonne idée? J'aurais dû lancer du Pokémon. Pokémon, ça demande pas de réflexion, enfin un petit peu. Et maintenant je m'éloigne beaucoup trop du poisson. On sera dans très longtemps au bout de la lune, en haut de la lune. Enfin, sur la lune plutôt. Je comprends pas pourquoi je me fais plus expulser hyper loin. Je crois qu'il faut être au plus proche de lui en fait. Et surtout pas se retourner et aller dans le sens opposé. Ça doit aider à mon avis. Je dis ça, je pense hein. C'est pas sûr. Trouve je le fais mal hein. J'ai mon ange gardien, il me sauve. Ah, t'as pu récupérer ta copie? Comment t'as fait?
Enfin, comment t'as fait, comment vous avez fait? Il n'y a que la session N. Ah, ok. Ah, ça va. Enfin, c'est quand même chiant, mais tu gardes une partie de ton site. Putain, j'ai pas sauté haut. Oui, non, mais... me suis compris. Mais pourquoi je me fais pas bien propulser? Je vais quand même aller faire 3-4 backups sur les... juste au cas où. Putain, j'en ai marre de me suicider comme ça. Non, voilà, profite de faire des backups. C'est le genre de truc, tu le fais. Ça t'est arrivé une fois, t'es sûr de le refaire tout le temps parce que ça t'a traumatisé. Bon, on va essayer autre chose. Que je sens que... Je sens que j'essaie de gruger, que c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Parce qu'à la fin, on n'a pas le temps de rebondir sur le bloc. Putain, et là j'étais bien parti. Oh, mais j'en ai marre de ma vie. Fallait que j'aille en horizontal, hein. Pas en diagonale, ça sert à rien, il y a des pics. Hein? C'est pas possible. Mais non, mais... Pourquoi j'y vais trop tôt? Voilà, ça fait 40 minutes qu'on est sur le niveau. C'est super! J'adore! Bon, après, il y a eu le problème, mais bon. Voilà quoi, c'est casse-couille! Je me suis dit, c'est quand même bizarre que je fais les salles en moins de 5-10 minutes. C'était vraiment quand même bizarre, hein. Je vais pas vous mentir, fatigue plus ça là, c'est en train de me faire câbler. J'y vais, mais j'arrive même plus à réfléchir. Non, 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 on est obligé d'attendre le bloc. On est obligé d'attendre le bloc. Mais non. Trop tard.
En fait, cette musique joyeuse, elle est plus énervante que tout. Au final. Ouais, non, c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Faut pas tout faire d'une traite. Ok, c'est bon, ça me rassure. Mais putain, ça m'énerve de m'embrouiller à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. Tu crois avoir le bon chemin, t'es sûr, t'essaies tout. Et au final, tu dis, bah non, en fait, c'était pas le bon. Non, 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 l'OST, elle est super. Mais jouer tout le temps avec, elle te rend dans le crâne. Et elle veut plus en sortir. Pourquoi je fais une diagonale? C'est ça qui m'énerve avec la lune. Mais en vrai, c'est bien parce que c'est plus de des énigmes, des réflexions à faire que de la plateforme. Parce que une fois que t'as compris, bah t'appliques le chemin et puis c'est tout quoi. Bon après voilà quoi, faut pas être débile. Mais que ça se trouve, je dis ça maintenant. Mais dans 5-10 minutes, je me dirais, ah bah non, en fait, c'était l'autre chemin. Et on sait jamais. On sait jamais. Là, qu'est-ce qui me dit qu'il faut pas que je me fasse propulser à cette puissance? Que je récupère les cristaux? C'est ça, réflexion et du skill, mais surtout du skill. Que si t'as pas le minimum de skill qu'il te faut, bah, t'es bon pour try and retry des millions de fois. Après, si t'es débile et que tu sais très bien qu'il faut aller dans une direction et que tu le fais pas, voilà quoi. On peut plus rien faire. Je suis un cas désespéré. Non. Ouais, mais le skill doit être quand même présent. Oui, c'est sûr. Oui, c'est plus sur la réflexion. Là, pour moi, j'étais parti dans un... C'est vrai. Mais non. Trop tard. Que c'est drôle, on s'amuse. C'est la fête! C'est pas du tout la fête. Putain, j'ai pourquoi je prends mon temps avant de remonter? Je peux remonter et prendre mon temps. Mais non! Je fais l'inverse! Ah! Ah, c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est bon. Et pas faire comme un débile tout traverser la map. T'as pas assez de sauts. Je vois. Viens là. Pourquoi j'y vais? Après, le plus gros, le problème le plus compliqué, c'est de vaincre sa... Je sais pas comment on dit. Le fait d'être pressé. Il doit avoir un mot pour traduire ça. Pour traduire. Bon, juste on a envie d'être pressé, hein, c'est tout. Parce que j'aurais pas ce défaut-là, je pense que j'arriverais mieux dans Céleste et dans la vie. T'es mérité, peut-être. J'ai déjà entendu ce mot-là, mais je sais plus du tout ce que ça veut dire, je vérifierai après. Et bonjour à toi, fan de Macmillan. Il faut savoir attendre en... Mais c'est bon, là mon petite... On change de tableau, faut voir notre paysage.
Bonjour, Ruby Gamba. Ouais, du chapitre 9 de La Mort à Foison. Et beaucoup de try and retry. Enfin, die and retry. Mais non, mais. Attendre. Juste attendre. Peut-être trop attendu là. Mais. Non! Le cerveau il fonctionne vraiment plus. Je sais plus du tout comment je faisais. C'est bon, j'ai retrouvé comment je faisais. Comment j'ai fait pour oublier ça, je ne sais pas du tout. Mais j'ai réussi à l'oublier. Et à faire un dash dans le mauvais sens. On tient, c'est bon, je retiens le bon mouvement. Enfin, à peu près, à peu près. On va le faire. On va atteindre le prochain checkpoint. Pourquoi il y a cette chance random qu'on va trop loin, du coup c'est chiant. Ouais, un vrai enfer. Et maintenant je vais trop loin. Tu l'as fait, Ruby, ce chapitre? Ou pas? Non, 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 j'ai pas forcément envie de... Ah, si, savoir comment ça se fait que par moment je vais plus loin et tout, ouais, je veux bien savoir. Ça m'intéresse, parce que j'ai toujours pas compris. Pour moi, la théorie, c'était en fonction de si t'étais proche ou non. Mais je suis pas sûr. Ouais, j'en doute pas. Non. Je rêve où il y avait un mur. Il y a un mur. Auto. Haha. Si tu appuies à droite en même temps que tu atterris sur la partie droite du poisson. D'accord. Ok, d'accord, ouais, je comprends mieux. C'est pas pareil pour les petits trucs de glace qui te propulsent, que tu rebondis dessus. J'ai l'impression. Parce que par moment j'allais plus loin. Et je me dis, ça se trouve, c'était à cause de ça aussi. Putain, trop tard. Ok, d'accord. Ça explique tout. Je voulais faire un petit live terminé vers 19h30. On m'avait averti, hein. Ah merde. Ah, je viens de croire que c'était saoulé. Bon, en tout cas, merci à toi pour cette petite info
qui me sera peut-être utile. Mais je pense qu'elle me sera utile parce qu'il y a des moments où ils vont certainement demander une propulsion rapide. Putain. Faut que j'attende. Mais non, mais... J'y arriverai jamais, hein. À mon avis, le problème, il est ici. Je dois pas redescendre. Sinon, j'ai pas le temps. Mais faut pas que je fasse de la merde. Mais non, putain, à chaque fois j'ai droit à une mort comme ça. Vibration sur... Ouais non. Merde. Mais non. Option. J'attends un peu plus d'être tombé. On peut le faire. Non, putain. Je sais pas pourquoi je panique en fait. Il y a aucune raison de paniquer. C'est même pas comme s'il y avait un boss ou quoi, non. C'est tranquille. La seule pression, c'est ce bloc. Ça en est une grosse, mais voilà quoi. Et là, on était assez haut, du coup, on s'est pris le mur. Putain. Oh, plus je mange bientôt. Donc faut vite que je termine ça. Quelqu'un peut me dire si le checkpoint y est encore loin après ça? Même si je pense que oui, hein. J'aurais dû aller vers le haut. Je le sais bien. Mais non. Il est pas loin, courage. Ok, merci pour l'info. Je vais y arriver, hein. Tout à l'heure, on était à rien de l'avoir. Non? Je l'ai pas remonté.
Ça m'énerve de le faire inconsciemment. Mon chat il me regarde avec stupéfaction, il comprend pas trop. Je l'avais et j'avais pas besoin de faire ça, je sais pas. En diagonale ça marche pas. À moins qu'il faut que je le fasse deux fois d'affilée. Mais j'ai pas le temps. Enfin, je reste appuyé aussi, c'est peut-être pour ça que je dis ça. En vrai, j'ai peut-être le temps. Et après, faut que je gère l'esquiveur, oh putain. On va y arriver, hein. Enfin, c'est pas on va y arriver, on doit y arriver. Mais non. Quand je dis qu'il faut avoir du skill, quand t'as pas de skill, t'arrives pas. Tu meurs en boucle sur des trucs qui sont simples, parce qu'une fois que t'as compris, techniquement c'est simple. J'en étais sûr que ça allait m'arriver. Attendez. Allez. Ouais, non, y a pas de aller. Allez, putain. C'est un truc de bâtard. Parce que franchement, une fois que tu rebondis ça sur le bloc, je ne vois pas du tout comment faire. Parce que j'ai pas encore eu le temps de l'expérimenter, quoi. Mon cerveau il commence à surrender. Hein. Une heure sur une même pièce, tout allait bien et elle est venue, elle m'a en train de niquer le cerveau. Alors, en plus c'est pas compliqué, ça m'énerve ça. C'est ça qui m'énerve le plus. Ah bah mais non, mais 3 ans pour monter. Mais non, mais c'est vraiment cette mort là qui me casse le plus les couilles. Oh putain. Après quasiment une heure de travail. Et c'est pas le checkpoint donc je peux pas m'arrêter. Et vu qu'il y a ça, c'est peut-être long. Merci. Après voilà quoi, ça a pris une heure.
qu'on peut vraiment dire ça à Chichi. Aussi long qu'un niveau. Oh, on va quand même regarder. Tac, on tombe là-dedans. On s'accroche. Ouais, non, mais... C'est normal, j'en ai bavé. Enfin, j'en ai bavé. Ok, je pense que la technique c'est de faire ça comme ça. On va le faire débilement. Pas comme ça, putain. Faut que je pense à lâcher le parachute. Faut que j'ai... Ah, ok. C'est même sûr, faut que le parachute soit dessus. Oh putain. Je peux attendre. Ça sert à rien de se presser. Pourquoi j'ai pas attendu? Ouais, quand même. Bah, il manque. Ok, je pense que je peux aller à l'avant. Si je bouge mon cul. Dommage. Bah, il y a beaucoup de réflexion et il y a aussi beaucoup de skill. Enfin, plus de la réflexion sur ces niveaux-là. Non. Ok. Bon, de toute façon le parachute était mal placé. Mais non, mais putain, je regarde le bloc bouger, mais pas où je suis. Presque. Non, en fait, ça va pas passer ça. Quel con. Je pense qu'il faut que je récupère le parachute entre temps. En fait, si je saute pas, il se passe rien. Je suis débile, moi. Ouais, c'est la musique du jeu en fond. Elle colle pas du tout avec le jeu et le jeu qui est un peu rageant, mais elle est très belle. Bon, sûr, en vrai, si ça colle, hein. Les étoiles, une petite musique féerique. Ouais, putain.
Merde. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant que tu le dis. Putain, j'étais agrippé, non? T'es agrippé. Eh. Juste vérifier un truc. Voilà, et là on récupère le truc. Non. Lena Ride. Ok, d'accord, bah merci pour l'information. Faut y croire. Bon, le parachute il passait pas. De toute façon, quand je passe pas, le parachute ne passe pas. En général. Oh non! Fallait que ça arrive une fois. Fallait que ça arrive une fois, c'était obligé. Retéa. Mais non. C'est dommage. Ok. Je sais comment je vais faire. Non, ça marche pas. Je vais pas faire ça comme ça. Je suis obligé de passer par tous les endroits où ils ont qu'ils ont laissé pour mourir. Oui. Espace du vide. Ah, merci. Il se passe des trucs bizarres. Merci les gens. Non, 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 pas ça. Bon, je suppose que c'était un checkpoint. On va pouvoir s'arrêter là. Et je continuerai certainement demain. De toute façon, je vais faire que du Céleste en ce moment. Et si j'ai du temps le week-end ou le soir du Pokémon, mais voilà quoi. Je vais rester sur Céleste là. Que j'ai envie de faire ça. Et oui, c'est pas fini. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, merci. Bon, de toute façon, j'allais faire sauvegarder quitter, c'est pas grave. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le temps de la fois dernière. Parce que, comme un con, j'ai quitté. Bah, je recommence demain, 18h. Enfin, peut-être 17h30. Je verrai en vrai. Mais ce soir, non, ce soir, je joue à Terraria avec mes potes, normalement. Il se passe des trucs bizarres. Ouais, ouais, non, dans le livre, oui, je pense. Hein. Ouais, j'ai vu la match du 11 mai. Du 16 mai. Et ben moi j'y joue pas pour ça, c'est parce qu'on avait jamais joué avec. J'avais jamais joué avec le mode Calamity. Et c'est un putain de mode qui donne au moins une cinquantaine d'heures au jeu et c'est excellent. En plus moi j'adore Terraria. C'est toujours un jeu que j'ai toujours adoré. J'ai touché à Terraria avant Minecraft.
pour vous dire. C'est pour ça que je préfère Terraria que Minecraft. Ouais, Calamity, Taya. Ah ouais, il est bien putain. La fin est très bien. Très dur. En ce moment, je me fais un petit souci. Ouais, bah j'ai vu que tu jouais un petit peu de ton côté. Mais bon, on avait déjà commencé notre map et tout. Et je sais que c'est chiant de commencer une map. Bah, moi, je sais que ça me ferait chier que j'arrive sur une map, qu'on me donne tout le stuff et tout. Après, voilà. Bon, en tout cas, les gens, je vous souhaite une bonne soirée. Encore désolé s'il y a eu un petit décalage à un moment. Et si j'ai passé quasiment une heure pour un putain de passage de merde. Parce qu'en soi, je me suis toujours gouré sur la ligne. C'est-à-dire, vous êtes où? On est vraiment après le pré-hard mode. Genre, on est très peu de boss après le Wall of Flesh. On avance doucement parce qu'il y a un pote qui peut pas tout le temps jouer avec nous. Donc on fait des petits trucs par-ci par-là, mais quand il est là, on fait des boss, on avance à fond. Quoi. Et bonne soirée à vous deux, et bonne soirée à tout le monde. Et à demain, les gens. Allez, bonne soirée tout le monde. Et promis, demain, il n'y a pas de décalage. Enfin, je vais m'en assurer. C'est toujours quand je fais pas de test son qu'il y a des problèmes de son. C'est toujours comme ça.